Bonjour, bonjour, fidèles téléspectateurs de notre émission Olive Sport, votre émission que vous suivez désormais tous les mercredis dès 15h à 16h30. Aujourd'hui, je suis là, fidèle à notre rendez-vous de ces mercredis. Merci de votre fidélité car je sais que vous êtes branchés à suivre votre émission de sport, la nouvelle émission sur Olive TV. Votre chaîne de référence, votre chaîne d'excellence. Aujourd'hui, chose promise, chose faite, aujourd'hui, je vais recevoir l'invité qui avait manqué le rendez-vous, mais aujourd'hui, l'invité est là. Notre invité d'aujourd'hui, vous le connaissez, c'est notre champion du monde, WBF Light Welterweight Champion, Ted Bami, qui est déjà dans nos murs d'une minute à l'autre, vous le saurez, vous l'aurez en direct sur Olive TV, en direct de votre émission, en direct d'Olive TV, votre chaîne d'excellence, votre chaîne d'excellence. N'oubliez surtout pas aussi que cette émission vous apporte les informations sportives à travers le monde. Il y a la victime parisienne. En football, bien sûr, Chelsea est allé jouer un match à Paris, là où un noir a été victime qu'est-ce que je veux dire là? Il y a mon ordi qui fait. Chelsea a invité plutôt la victime parisienne suite à l'incident raciste qui s'est déroulé, qui a impliqué des fans de Chelsea à mardi dans les métros à Paris. Donc, en marge d'un match de Ligue des Champions, la victime a été invitée. La victime et sa famille ont été invitées à Stamford Bridge, stade du club londonien, à venir assister à un match. Au match retour contre le PSG le 11 mars. Il ne verrait pas seulement le match, mais il ressentirait ce que Chelsea est vraiment. Parce qu'en ce moment, où la victime s'est sentie lésée dans ses droits, lésée dans ce qu'on appelle le racisme dans le football, il peut être... il peut avoir une mauvaise vision de ce club. Nous pourrions montrer alors à Souleymane ce que nous sommes différents, avait déclaré José Mourinho, l'entraîneur de Chelsea. Mais on me fait signe déjà que Ted Bami est dans nos murs. Donc Ted Bami qui va être notre invité. Je vous demande de vous apprêter, d'appeler les amis, d'être autour de la télé pour poser des questions à Ted Bami, qui est un champion de boxe, les noblards, le boxe que nous appelons les noblards. Donc, il a été champion WBF, super light. Donc, il sera là d'une minute à l'autre. Pour vous présenter Ted Bami, je commencerai d'abord par vous balancer un extrait de son combat qu'il avait livré contre Laszlo Herbeck, le Hongrois. Donc, je demande à la régie de me balancer ces combats afin que tous les spectateurs qui nous suivent à travers le monde, en France, maître Damas Lukaou, le maître de votre maître, au Salon Carlos, et les amis qui nous suivent, Guilin, Baforce, Yamama Aziza, qui est là branché à suivre cette émission. Papano, je sais que tu es là branché pour suivre cette émission. Et n'oubliez surtout pas que l'émission est toujours relayée sur notre site, les www.topafricamagazine.net, un site responsable pour les responsables. Je demande donc à la régie de me balancer cet élément afin que nous ayons une idée sur Ted Bami. Flicking out the jab, Bami, without really getting meat into it, getting behind it. See, I just feel that he lacks sharpness. I think, however this fight goes, I think Bami's going to realise there's a lot more work to be done.
He's a bit more sharpness. His timing is not where it should be. This fellow's awkward. He's difficult to look good against. But Bami's taking too long to react. Left glove very low now. Again, he flicks that jab out. When he gets in close, the short hooks look more effective. But, he may be hurt now. That's how hurt Seg. He put so much into those first three rounds. And if Bami can just put one of those big punches on Herzeg, he could really dispirit him. There's a real feeling now, Jim, isn't there, sitting at ringside, that the tide is turning. Yeah, well, once again, as we head towards the last minute of the round, Bami beginning to dominate again. Another good sign, but just once he stick to the job, this fella can still last a few more rounds. And he's still a little bit dangerous with that head, and sometimes I get the feeling it's it is intentional. Just stabbed at the left eye there, Laszlo Herzeg. I think there's a little nick underneath it as Bami starts to work him on the inside. And he's not coming forward now, the Hungarian. As Bami found the key to unlock what looked a difficult puzzle. This is much better now from Bami, well in charge. At long last, he has this fellow under control now. There's a lot of noise coming from the Herzeg corner alongside us. There's distress signals from them. Thinking there, believes that Herzeg is best maybe behind him. There's a tired look about Herzeg's what now. There's a little blemish under the left eye, there is. And they're putting the ice on him in the corner. Look again, head down, dispirited feel. Yeah, I think when you're saying we've seen the best of him, I think that's a fact. It was always going to be awkward. He was quick in the early rounds. He was putting punches together. He was a lot more aggressive than I thought he would be. He wasn't pacing himself for the 12 rounds. I think Bami has paced himself better. And this fella now is maybe paying the penalty for getting off the starting block too quickly. If you were in his corner, what would you be saying? Well, you'd have to try to start using the ring again. You can't possibly trade with Bami. Non, on continue. Je demande à la régie de continuer ces DVD jusqu'à ce qu'on retrouve les KO de Ted. Merci. Second half of the WBF light welterweight contest in front of us, and the furthest Ted Bami has been in a professional boxing ring. Just feels that there's a growing belief as less comes from Herzeg as he backpedals around the ring and Bami stalks and waits to deliver those blows. Well, once again, I would like to see him nice and steady for the first minute or so, then raise the pace. He's getting to work a lot quicker than this round. Another good sign. But again, by a short left and right combination. A bit wild there. Bami trying to pick his punches. Pluses and minuses so far with Ted Bami tonight. Well, he's worked his lack of sharpness. It's maybe not fair to judge him against this fella because this fella is very good at what he does. He's difficult to pin down. He does unorthodox things. And the main thing for Bami, the longer the fight's going, the better he's looking and the more he's taking charge. But he definitely needs a bit more sharpness. Probably he hasn't had the type of sparring that he needed for this particular fight. And this fella is very quick and difficult to pin. And tries to throw punches, Herzeg. More of a tired feel about him. The blood from the nose. I think he's felt Bami's power in there. He certainly did then. Well, this is us heading towards the last minute now, so Bami just wants to raise the tempo slightly just to make sure the judges can see who's winning this fight. Laszlo Herzeg
still there. And Bammy just comes forward slowly but surely. Bammy's not closing him down enough here. He has to step in with the punches. He's stretching with the jab. This fella's on his bike now, so you have to move in behind the punches. Lunging with that left hook. Bammy swung round. Is Herzeg spent? Or is there a little left in the tank? Neither been the full 12 rounds and nowhere near. Good right again from Bammy. He's really looking for that. Yeah, I think that one was in the back of the head. But nevertheless, it's Herzeg's own fault. He's ducking low. Spencer Oliver earlier said Bammy in the Who Needs Him club. Interesting to watch his development. Still to come, Dean Pithy's Commonwealth 9-stone-4 defence against the talented young Scotsman Craig Doherty, who's backstage with our own Craig Slater. Yes, Craig Doherty just finalising his preparations here. Craig, a huge night for you. You must be really ready for it. Yeah, ready as I'm ever going to be, you know. I'm ready to take this title. Of course, you had the disappointment of losing to Michael Gomez. Is that an extra motivation tonight? I need to make it right this time, don't I? So I can do. Just try my best. We know you're as a dangerous body puncher. Could that be a factor tonight? Definitely. Just need to try and work my way in with a jab. Just try and get the shots in, you know what I mean? What would it mean to you to win this Commonwealth title? It mean the world to me, you know. Made me really proud. Just want to make everybody proud of me, you know. Give everybody something back, you know, that everybody's put a lot of hard work into me. My mother, you know, John McDermott, my new trainer here. Thanks, Craig. Coach. Very likable lad, former Scottish amateur star who made a right hash of his British title against Michael Gomez. Will he get it right against Dean Pithy? That's coming up after we resolve this one. Ted Bammy, remember, in the white trunks from Brixton in South London. One of our better light welterweights, stepping up against Hungary's Laszlo Herzeg. And Herzeg, Jim, you think won the early rounds, but Bammy's come back into it. Yeah, I give Herzeg the first couple of rounds, really, because Bammy really didn't get any punches off, hardly. But as I expected, the longer the fight's going, the more the pace slows, the more effective Bammy's becoming. He's showing nice little feints now, little threats, forcing this fella to make the first move. Beginning to look the part now, Ted Bammy. There's less coming from Herzeg. His will being knocked out bit by bit, brick by brick, by Ted Bammy. Do you think he'll be pleased with his performance? Just gets caught on the way in there. Well, this is, we're coming into his time of the fight now, so now he must impose himself, and then he can be pleased with his performance. He won't be happy with his early performance, but this fella is awkward. He's not bad at what he does. But the main thing is, every round there's been a little bit of improvement in Bammy's work, and now he really does look the boss. You say his time of the fight, but he's never been this far before. How do we know what's going to happen with him? Well, I do feel he's paced himself better. In the early rounds, when he wasn't landing, when he'd been beaten to the punch, he didn't become frustrated and waste a lot of energy. It's silly. He kept himself nice and cool, and it's paying off for him now. Herzeg really looking a little bit ragged now. Certainly looks the boss in there. Ted Bammy, left hook on the inside. Remember how many shots Herzeg threw in the first three or four rounds, and that body shot hurt him. The Hungarian back pedals, and for the first time in the fight, he looked like he almost had to take a count. Ragged, the right word, I think, Jim, there you used. Yeah, well, Bammy's raised the pace, and he's sustaining that pace. That's what he wants to do. Just for the rest of this round, just make a point on this fellow. Just show him you've got the strength, you've got the stamina. You can do this all night long. Send him back to his corner, a worried man. Trying those uppercuts out on the inside. A little charge from Herzeg. But the legs look a bit more unsteady now. He's covered a lot of ground, the
international opponent. And that was a very hard round for him. Bammy coolly sits on his corner and he spits his gum shield out there. Laszlo hurts him. Now this was the time that he was pulled out when he fought Giuseppe Lowry. And I wonder if the same sort of thing's starting to happen again. Well, nothing that he's doing is working now. He can't keep himself away from Bammy. He can't nullify his work when he's up close. Nothing going his way. The fight is really coming against him. And Bammy is getting better and better with every round. They haven't got long to revive him, Laszlo Herceg. But round after round, you can see the punches landed over 100 from Bammy. And most of Herceg in the first quarter of the fight. Bammy looks like he's handling the distance quite well. Yeah, well, I think he's paced himself really well. I mean, I commend them, as I said earlier, for not becoming frustrated in the difficult part of the other rounds. I feel it's paying off. Only the 61st round of Ted Bammy's career, which started back in 1998. Only one defeat on the record. He was put in a bit too early against Jacek Bielski and was stopped in the fourth round. But he's learned the hard way. And they think, his team of James Cook and Brian Lawrence, that this will be a big year for Bammy. Good left hook, and Herceg just flops back into his corner. Mark Green, I think, is going to stop it. The fight's over. Ted Bammy does the usual flip, the somersault. His fans are delighted. And he rode the storm, Jim, early on, and he came back and got the win of his career. Yeah, over the piece, it was an excellent night's work. Some difficulties early on, but this fella's not a bad fighter. Posed quite a few problems there, Bammy struggling. His timing wasn't so good, his sharpness wasn't there in the early rounds. But he stuck with the task, didn't get worried, didn't become frustrated, just stuck with the job. And as I kept saying, every round he was looking that little bit better. And that final punch just took everything away from Herceg. Big smile on the face of Ted Bammy and James Cook, his trainer, after a slow, laboured sort of start. The storm ran out, didn't it, of Herceg, and as you said, Bammy paced himself right tonight. Yeah, and the other rounds, Herceg was getting his punches on target, then nullifying what Bammy was trying to throw back at him, not giving Bammy a chance to work. But the longer the fight went, the more tired Herceg was becoming. It was becoming a stationary target. And really, by that time, Bammy was doing a job on him. Let's see the finish now. I mean, Bammy really doing pretty much as he pleased at this stage. And that was bang on the chin, bang on the point of the chin. No way, he didn't go down. If he had gone down, the referee could have counted. The fact that he didn't go down, he had no option but to stop the fight because he had lost his senses, his balance was gone. He looked over to the referee. Really, he should have taken account there if he wanted to continue. But I wonder, did he really want to continue? He was really being tuned up by this time. Does that show us that Ted Bammy is a puncher still in the latter half of the fight? He's certainly an acrobat as well. Yeah, well, and he still had plenty of energy with his final flip. That's becoming a trademark. There it goes. Yeah, plenty of energy left. There was a fella a while ago at York Hall who did that and knocked himself out. So careful, Ted Bammy, but well done tonight. Ladies and gentlemen, 43 seconds of the ninth round. Referee Mark Green has stopped the contest. Herceg in no position to continue. Your winner and a new WBF light welterweight champion from Brixton, South London, it's Ted Bammy. And please show your appreciation for a very game contestant indeed. From Hungary, Laszlo Herceg. And now to present the championship belt, the president of the WBF, Jonathan Feld, and fight supervisor, Mr. Alex Papafiou.
I tell you, we've got a fantastically enthusiastic crowd in here tonight. The joint is jumping and we haven't even reached the top of the bill yet. Dean Pithy getting warmed up backstage as he makes the first defense of his Commonwealth Super Featherweight title tonight. It's such an important night for Pithy with some major fights. Voilà, voilà, voilà. On a eu combat ya Ted Bami na Hongrois wana champion du monde, abimagi champion, Ted abimagi champion. Alors ceinture là au moni wana Ted des ans ngoti lelo. Et sur ce, j'ai dit quoi? Bienvenue pour la première fois dans cette émission Olive Sport. Mon invité du jour, Ted Bami, champion! The champions here! Ouais. Ted! The champions here! Donc, ceinture, oh yo! Ceinture, on va penser qu'il y a la sim, yango! Yango, ouh, ça pèse, hein! Oh là là! C'est ça! La ceinture de Ted! Le champion est là, avec moi, déjà. Et je salue aussi le co-présentateur, le champion, champion Libéla. Franck, Alain Franck Mosello CC. Dude, bienvenue dans l'émission. Toluki au partout. Champion, un Congolais champion du monde. Ça n'arrive pas tous les jours. Ted, en quelques mots, Ted à Outawapi, Ted à Bandi Sport, quand pour être comme champion du monde. Très rapidement. Tout d'abord, merci. Merci pour la grâce, l'opportunité de ce soir, pour ce coup de temps, tout ça, je suis bête dans solo. Je ne pas me faire un bâton de la langue. Bon, je suis un jeune Congolais. Je suis collé en Angleterre. Je suis en 1987. Oui, je suis en France. Après, France, je suis en Angleterre. Bon, initiative oncle en Angleterre. Je suis en karaté pendant 3 ans, 4 ans. Congo va bien la bête à balle, mais ça va qui est, j'aime bien taper dans le destin et j'aime bien la boxe. Donc voilà. Na âge à boxe, à boxe, on va dire na âge ni. Na va dire boxe na âge à 15 ans, 16 ans. Donc à partir de la continuité. Boxe, boxe, bon, on a ma boxe, mais on a plus on a karaté na balle, mais et au sala qui oncle on a le bête. Boxe en bon, tika karaté qui est boxe. Donc voilà, on a PC plus concentration dans la boxe. La boxe, on a son aligné ça et sport, on a PC vraiment tout. Tout le bon gars, tout le monde. Donc voilà, on a rapporté un mot, moi succès. Papa Franck, une question à tête. Tu sais déjà, moi, tu as balé, tu as un peu régi et tu as une ligne. Tu as vraiment très calmement. Tu as tout le monde à tête. Champion du monde, na super léger, na fédération WBF, donc World Boxing Federation. Yes, right, yeah. Et bon, moi, je connaissais déjà Ted. J'aurais souhaité, je sais que ce n'est pas possible. L'autre jour, tu as parlé de boxe, Ningé. So mutabeti le coffre ne ba blokaka ne ba kima le boxeur yeyo. Ted c'était un bon boxeur. Oya ebiko beta ebiko kima, je crois que vous avez eu l'occasion, il y a mon puissance nae na crochet gauche nae ninga zo kima ku ninga zo beta. Makasi Ted avait tout le cas. La preuve, malheureusement Batuming ba ebi était déjà Don King États-Unis bazako luka mono ba meme États-Unis. Tellement qu'il était complet na boxe. Azan a punch. Na combat où il a été gagné, il y a déjà un dérangement dans l'épaule à droite. Donc, il y a droite, il y a un banga. Il y a boxer gauche pour distraire l'adversaire. Moi, je boxe, je vais les athées. Donc, mon niveau de puissance là. Donc, c'est l'occasion pour nous. Comme on a été objectif et émission, tout le monde champion de la Congolais dans la télévision pour la Kisabino, que les Congolais sont là et que Bananabino, Bazanandako, Bakoko comme champion, le gola Ted. À l'objet qu'il y a à Londres, il y a 7 ans, 8 ans. On a 15 ans, Bani Box, tu as comme champion du monde. Et là, on est au Pexa. Bano Bino Bozana, on a un dako, pas comme le Kouraï. Voilà, tu as une émission, il y a un champion d'Abisso, il y a Ted Bami. Ted Bami, à part championnat du monde, tu as senti un nini moussou ce soir. Oui, on a champion d'Europe. Bon, et là, on a eu un salaire vraiment qui est niveau mondial. On a comme plus numéro dans le top 10 au niveau mondial, et qui est un champion d'Europe. Il y a un homme de ça qui m'a reconnu sur plus dans le niveau boxe.
Donc voilà ce Ozaki. Oui, Ozaki. Ozaki médaille. Oui, Ozaki ceinture. Ozaki ceinture. Yeah. Oh là là, j'ai l'occasion. Il y a aussi ma ceinture à Union Solelo. European Boxing Union. European Boxing Union. Yeah. Oh là là, moi j'ai l'occasion. Il y a Ozaki champion. C'est une émission des champions Olive Sport qui est sponsorisée par Olive Mobile, l'émission des champions. Là, c'est la ceinture des têtes du championnat d'Europe. European Boxing Union. Union. Ted est aussi champion européen. Voilà. Ted, les ceintures, les autres défilés garaboyés. Mm-hmm. Ted, pour la jeune, on va encadrer on Ted. Vous êtes déjà champion, vous avez l'expérience, vous avez la boxe, vous côtoyez déjà le milieu. Nos jeunes sont dans la rue. Les jeunes sont dans la rue. Irrécupérable ou bazar la bango récupérable, mais nan ba ébiten ba récupérer bango. Yo en tant que champion, au tieni ni en place pour récupérer ces jeunes, bo lobby ba koma iti, lobby pe bango yimo ba champion. Si, et en gros, tout ça, la moni, nous on a entraîné comme entraîneur à boxe, on a aussi manager, mais on a plus concentré dans un entraîneur, on a un jeune boxeur déjà, quelques-uns. On a formé pas seulement les Congolais, mais les colonies surtout. Donc, dans les jeunes Congolais, il y a même il y a deux ou trois semaines passées, il est capé dans le sky. Comme disait Isaac Chamberlain, Isaac Cruiserweight, à hauteur de gagner le premier combat dans la championne. Donc, il a vraiment compromis mettre Ming. Et dans deux ans, c'est petit, il a vraiment champion d'Angleterre, peut-être plus. Donc, on a respecté d'abord, avec le Kagou, il y a un gars qui a invité de venir dans Sky Sport. Donc, on a promettre. Donc, il y a un gars qui a entraîné, puis on a bimé ça. Il y a un gars qui a reçu la grâce. Mais tout ça, dans le gym, il y a juste dans Brixton, côté de l'Arbro. Il m'a contacté, peut-être, papa, il s'est opéré sa bango. Il a besoin, peut-être, de travailler. Il y a un gars qui a été au dans le Boka, tu sais, plus. Je suis allé à la boxe. Et ça peut être gêné, surtout quand on a un bombing ou tout, il y a ça de bois dans la prison, ça de bois. Donc, peut-être pas que ça va être distrait. Au moins, si on a un sport, on est distrait. Je ne pense pas que ça va être peut-être bois. Pour ça va tenter. Parce que boxe, il y a quand même d'énergie. Si on a un traitement boxe, on n'a même pas le temps de balader les bandes. C'est là-bas. Papa Franco, dans tous les mots, il a cité le nom de la grâce à Nzambe, la grâce à Nzambe. Mais t'es dit, il est champion. Normalement, il est dit que le sport, on s'est accompagné, il y a gris, pour être champion. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont jeunes, en Europe, awa. Et si il y a des gens qui sont gris pour être champion. Gris, c'est les hommes qui sont l'église de SFL. L'église de SFL, pasteur Freddy. Donc, chaque combat, il y a un papa, il y a avec Ndé, ils ont appelé ça leur grâce. Ah bon? Il y a chaque combat là. Et ils ont gris-gris, il y a Banaté, il y a Marabouté, Yuzo qui est la SFL, chaque combat qui est un pasteur. Le pasteur, il y a un combat avec Ndé, ils ont appelé ça. Donc, ils ont appelé ça le champion sans casse. Ils ont appelé ça le champion. Ils ont appelé ça parce qu'il y a une fois, Nana qui tout ça là bien c'est ce qu'a bon avec un champion à catch qui a bio na auto bunda combat mo boy a c'est combat ni tout là c'est combat na e la télévision à lobby azo bunda sans kiss mais tu tel nombre de combat ngabe tout tout là le bela ce que na taba kati on a vu mais comment il bunda sans kiss ni tout là le boy ka wala on ka tabi moi beaucoup que fait ça. Moi, je ne fais pas ça. C'est qui la mission pour les gens qui ça va aller à Bonzambé. C'est un bon Zambé. Donc, tout le monde est au niveau. Donc, je ne sais pas si tu es en train de faire ça. Je ne sais pas si tu es en train de faire ça. Je ne sais pas si tu es en train de faire ça. Papa Franck. Ben, et ça, c'est une coïncidence. L'autre jour, dans le bagage de sport,
que entraînement serré, entraînement monté en moto comme champion. Mais sous bat, mais sous animal qui s'en va, mais sous basalara avant qu'un combat à quelque sambela, il croit en zambenaï. Dès d'ailleurs qu'on confirme en haut que avant d'aller na combat qui n'est pas pasteur né, alors bien qu'un dans zambazanaï. Mais avant à qu'un d'avana tout l'into oib sabatou, le temps où ils ont pour l'entraînement naïo, au long on a tout on a l'heure nini. Ti okenda na 20 heures ko lala ba tu pasana besoin oyeba mona ka boxeur na ring baibi loko ni champion et loko ni ne même boxeur ti okoma na compétition yebisa bango bolanda tete a loane ma lembe mais soko dui ngoche ko ba wana te a naza prida ngana ni na non pour passer donc entraînement mes aides donc ils avaient le loi moi hein parce que ngai vraiment na longa 4 du matin Tuké qui m'embang. D'entraîner dans donc plus sur une habitation pour Bissaf, mais plus c'est au Vanda, plus en avant derrière moi, ti tout le bas éléphant casse ti plus en avant des là, tout ça peut-être bas 15 kilomètres, bas 15 miles tout là bon. Si que tu as voiture, tu es ti là qui fait quoi tu vas n'embang, embang ti tout ce que tu entends des là là, tout zoni parce que bas monter tout mat, au moment que beauté me longue, mais au ébilo ni au bunde, au ébilo ni au salle. Donc préparation numéro 1. Donc plus de 25 km à qui m'a allongé à 4 heures du matin à bon entraînement et à bang pour l'endurance. Pour l'endurance, on est à 4 heures du matin. Si on est à 12 heures, on est à la gym. On prépare aussi les 2 heures du temps en gym, il y a un sac, il y a un nino. Après, dans 18 heures, on est à la gym, tout ça, sparring. Sparring, au moins, ce qui n'a pas de combat, c'est à. Sparring, expliquez, bah, moi, sparring, les années. Donc, sparring, les années. Tout ça, il y a un combat, tout ça, c'est toujours bunda, mais il y a un combat d'entraînement. Moi, bon, parce que c'est une gars, ils allaient qui tellement que niveau n'anga bat ba moi ça n'a pas rien été. Est plus fort que bon. Bah ils ont ba poids supérieur. Bah supérieur en tout le bas qui est mi-lourd, un lourd léger. Tout met en bon. Non, bah tu as 85 kg, bazo boxer na yé. Nous en a poids ni. Bah on peut pas y dans moi. Quand on a boxé, nous a 63 et demi na bon pendant le championnat. On appelle ça super léger. Super léger. Donc voilà. Moi, dans ça, c'est pareil, rapidité, technique, puis force, c'est ça. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit, qui m'a dit, dans le sens. Et tout ça, entraînement, bon, c'est pareil, on a 4 sparring, mais 5 sparring, 5 différents sparring pas, quand même, partenaires. Donc, il y a eu, au bout d'un moment, peut-être, on a eu 3 ans, ça dit. Quand on a eu, bah, il y a qui manque, à qui manque, pour défendre, on dit, par rapport à la tête, tout à l'heure, qu'on bloque, ben, aux ans, on a rien dit. On a 2, 3 ou 4 rondes, on a obéi aux ongles de après on a eu aux ongles de jab, une droite de tête. On a obéi à aller, on a obéi à ce qu'on a fait tout. Dans ma beau mi-balle. Donc, tout l'année processus, hein? Abandonné dans le bas, on a Tongo, à salir 25 km en bas, na midi, à eu obéi à sac naé, pendant 5 ou 6 rondes, na 18 heures, à eu sans sparring. Donc, il y a 4 rondes naé, 3 rondes chacun pendant 3 minutes. Au salon moins 12 rounds. Mm-hmm. Oya liboso, bazo beta, donc bazo beta, il y a posé, il y a fois qui m'a a bloqué, bako. Ted, gouverneur roi sangote, ah, il y a une émission, émission n'a pas été bougera, ok? Tant au kimo, l'excellent, on est au kima, mouvement n'y a soin. Donc bako beta, il y a au kima a bloqué, bako, pendant 12 minutes après, à beta, gaga, jab, l'axa jab, no, tant que soyez en elle qui est à Ted, l'axa n'a pas jab, voilà. Touchez notre jab, voilà. Allez, mes gars. Déjà j'ai eu autant au tennis donc j'ai eu obligé de con donc moi je suis mission donc il fait toucher personne n'a le bon comme ta jab ni on attend aussi là ah jab comment jab on l'a dit donc jab yango papa ils ont soir donc à la tu vas gratter mais on sentir les suis quoi parce que les coffres boyer zone donc jab yango bon donc on met ta jab na jab bloqué jab donc chaque fois on met ta jab ouais on se protège mais déplacement aux autres jab nous on met ta on pas maté on met ta jab tout de suite dis nous plutôt met ta jab faut Il fallait nous appeler nous voilà dans vérifier mon tigara malasima donc on met ta jab au de wikimi jab qui donc ça n'est pas tes deux simultanés na ming na loko na on a apprendre l'homme sur la boxe il faut t'as la combat ming la grand pour Mohamed Ali les gars n'avaient plus Mohamed Ali n'est pas lobby il y en a Tyson n'avait pas na Roy Jones trois boxeurs on a Sugar Ray Il était très bon. 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 Il était
Et moi, je déplacement dans ce pays. Waouh! Déplacement dans ça. Au moins, c'est un bon boxeur. Dans le mouvement, donc chaque mouvement est un moutou, à ce qui m'a coup. Ok? Tant que vous moutou dans les gens, tant que vous avez un terre, comment? Vous avez un moutou. Soit vous avez un pandi, soit vous avez un moutou. Mais là, tant que vous avez un par rapport à l'adversaire, vous avez un coup, mais vous avez déjà instinct, chaque façon, vous avez un désorienté adversaire. Vous avez désorienté, donc ceux qui coulent, vous avez écouté des gens qui t'aiment. Donc, pour la même chose, vous avez plus comme un réflexe. Un réflexe, ma casse. Il y a qui. Arme dans la mine. Ceux qui coffrent, ils ont tant déjà bougé, on a bougé. Tant bougé, on a bougé. Pour ceux qui ont appelé la rapidité des coffres, mais avant les coffres, ils ont mis l'eau et ils ont mis la chaude. Donc, position, ils ont beaucoup de puissance. Ils ont télémé, ça les boué, la chimio. Donc, au téléphoné. Donc, au bêta, ils ont souvent dans la facilité, ils ont compris. Ils ont raison, c'est là. Non, le numéro est là, appelez. Tout ça, la champion, c'est une émission des champions. Hein, comme vous le constatez, c'est un champion du monde qui est dans nos murs, qui est dans cette émission. Donc, on a déjà quelqu'un en ligne. Allô? Allô? Allô, bonjour, maman, championne. Au Benguiwa Pipe Kombonani, au Lobel Abisso, préoccupation, la réalité. Bonjour, pasteur. C'est le plus fort gentil. Le plus fort gentil. J'aimerais que vous priez pour nous et enfin que il y ait la réussite quoi, dans le sport de Massé. Maman, j'aimerais bien prier pour vous, mais cette émission, c'est une émission des sports. Nous ne parlons que du sport. Aujourd'hui, nous avions reçu un champion du monde au nom de Ted Bami qui est là avec nous, un champion du monde, un Congolais qui est champion du monde dans la catégorie des... super léger. Donc, pour la prière, je vais demander au pasteur Nkosi, Joshua Olive, qui est Nkosi, de prier pour vous car il est à côté, il est dans son bureau, il va prier pour vous, maman. C'est une émission des sports, contribuez pour le sport. Merci. Donc, Ted, et toi qui y a combien de temps depuis Banda Box, tu es au ma champion du monde bon. Combien d'années? Je suis abonné à la boxe en 1992. Je suis abonné à la boxe. Je suis champion en 2004. 1992 à 2004. Voilà. Je suis content d'être professionnel en 1998. Donc avant, c'est là qu'il y a amateur. Pendant 4 ans, à professionnel, tu es comme champion du monde. Est-ce que vous êtes champion d'Angleterre? Je suis champion d'Angleterre. Je suis le numéro 1 d'Angleterre. Déjà, quand on gagne, je suis champion du monde. Et puis, c'est le numéro 1. Mais c'est Ronan Ricky Hudson qui est adversaire dans notre terre. Ricky Hudson, c'est un grand champion. Et Junior 8, c'est pas l'IWC. Donc, je suis ça tout. Allô? On a quelqu'un en ligne. Allô? Ah oui, bonjour, je bonjour papa, au Bengi Wapi, comme on a dit, Yomoroza champion, donc tout ça là-bas champion. Et Zangan de Konopo Zantima. Papa Zantima depuis Irlande. Non, Stoke-on-Trent. Oh, Stoke-on-Trent, sorry. Sorry papa, l'angobunga kalayango l'angobo sambo ganao. Au lobini nipo na tête, champion du monde, au Tosane Lelo, à l'émission Nabiso, Olive Sport, qui est sponsorisé par notre SIM, la SIM Asiga Tosanango, Olive Mobile. Au lobini nipo na tête. En tout cas, je suis un champion d'Abisso. En tout cas, je suis un champion. Merci. En tout cas, je suis un champion qui a conduit toujours Bongo. Merci beaucoup. Toujours Bongo, qui a toujours champion. Merci. Dans tout le terrain, dans toutes les positions. Donc, tout rappeler que le champion, Azalagi champion, Lelo Azali, entraîneur et manager à boxeur. Azan est boxeur, mais il est entraîneur. Il y a 2 semaines, je suis à Sky Sport. Moi, j'ai suivi le combat. Azana Moko a boxé dans poids donc lourd léger. Ce qu'on a continué dans 3-4 ans comme poids lourd. Oh, il y a zo mon accueil. Azana chance à comme champion. Azana mon abisso congolais. Je rappelle, nous rappelons que objectif il y a émission abisso Oya Sport Nakatia Olive TV. Et ali pour na quoi encourager bah parents, bah maman, bah papa. Bon mais ma banane sport, sport nyoso. Bisous de Zabatou, il y a boxe, tu vous parlez de boxe. Sport, ils en ont limité. Ils en ont tennis, ils en ont football, ils en ont athlétisme.
ils ont la natation, sport nyoso de façon que bah on a besoin comme champion que des Congolais à l'extérieur na ya Congo pas comme champion. Raison majeure au biso to vani na TV pour na obenga bat nyoso. Tous ans bat un judo entraîneur à judo baruya, bah champion à judo baruya. Bah footballeur, bah grand nom à football, bah, grand nom à football. On annonce, qu'on l'annonce ou pas? Allez-y, donc, dans deux semaines. Dans deux semaines, nous allons recevoir les anciens Léopards, ceux-là qui ont fait l'honneur à Zaïre. Je cite Adelar Mayanga. Goudi, Yeso Aniati, ballon à gauche, et Poussa Nikuna. Kibongé. Janto. Seigneur et. Kakoko et Kidumu dans l'émission Olana. Les deux premiers qui arrivent dans deux semaines, c'est Djento Kibonge, le seigneur, na Adelar Mayanga va confirmer Bazoya dans deux semaines. Pour dire que il y a des gens qui sont intéressés pour Nako, paix sa motivation. Bango va jouer troisième place et Bango va dans la Coupe d'Afrique deux fois. Allez-y. On a quelqu'un en ligne. Allô? Hello? Hello, what's your name and where you calling from and tell us what you want? My name is Anya and I'm coming from Manchester. What you want to say to this program? I wanted to say that I'm encouraging Uncle Teddy and I'm very proud of him. Oh, lovely, lovely. Thank you, Uncle Ted. This is a child who's encouraging you for what you have done, for what you're doing. What are you going to say to him from Manchester? The person that spoke, she's. It sounds like it's a little young lady. And I just want to encourage her. Whatever she does, she will put her mind into it. And then she's going to achieve what the Lord has prepared for her. Oh, thank you. Thank you. Also, I got a message from Bibi Swami, who's watching this program. She said it's a nice program. Big up Ted, and also J.P. Meyer, who say that, wow, it's a nice program, and that they're watching, Eddie Veras, they're watching us everywhere. Ted, tout ça a besoin de champion. Tout ça a besoin de sentir mon assimaran. Ah, Ted. Je ne sais pas si champion. Alain Franck, yo, ne sais pas si Ted. Je ne sais pas si programme. Champion. Yo, champion du monde. Je champion d'Europe. Je suis champion du monde. Champion du monde. Ça, c'est la ceinture sur gagner, bah, PCO pour la reconnaissance, et Moussa Lossali, il garde ça toute sa vie. Oh là là, ça pèse. Programme, bah, na iba umonango, bah, koko na iba umonango. C'est ça la fierté. Ok? Je suis fier. Et pas il y a à la c'est que ceinture, il y a un champion d'Europe, en goyo. Oyokuna, champion du monde. Au moment où il y a un champion d'Angleterre, moi, je connais l'histoire. Tant que tu es dans un boxeur, tu as un boxeur, Moko Ricky Hatton, un boxeur, ma casse. J'aurais souhaité que tu aies un combat de bouta à la combat. Je suis dit que tu as un combat de la télé. Mais à qui est boxé championnat du monde? Il y a quelqu'un qui nous appelle depuis. Ça, c'est 234, c'est le Nigeria, je pense. Bon, attendez. Basali, tout malgré comment on a une réputation, on a un combat de boxe à la télé. Parce que Ted Azali, moi, j'ai un combat de boxe bien à Zali. Parce que je suis dit que tu as un bêta. Allez-y, on prend le. Allô? Hello? Ah! La personne est partie. La personne est partie. Allez-y. Non, c'est ça que j'ai expliqué. Donc, avantage, M. Zalara, ce que vous avez dit, c'est que vous avez été dans l'équipe de boxeur dans le monde de Makassi. Vous avez évité le combat contre Ted. Mais les États-Unis ont remarqué déjà que Ted. Don King Gaza, vous avez un mouvement Ayakuluka Ted pour Akinana et les États-Unis. Vous avez une négociation minée. Quand je vous dis que ce garçon, Otovani, c'était un champion, c'était un champion. Aïebi qui est mon adversaire, Aïebi qui est mon coup, Aïebi qui est mon. Donc, il y a une technique qui est très bien. Il y a mon ceinture, il y a une blague. Surtout qu'il y a mon côté, Aïebi qui est mon paya. C'est qu'il a mérité ça. Tolingi, les solos sont très bien. Il y a un peu de temps. Moi, je suis en train de game gear. Tolingi qui est dans le club, Ted est dans le club de Brixton. Brixton, je vais. Donc, ça, c'est la maison à Grèce. Permettez-moi d'interrompre. Si vous avez la deuxième adresse, il y a club et si Ted Azo pour entraîner Bana et si Ted Azo entraîneur, contactez-moi pour vos adresses. Voilà, nous allons descendre sur terrain. Moi et papa Alain Franck, vous êtes CC et toute mon équipe, nous allons descendre sur terrain, filmer comment Ted est en train d'encadrer la jeunesse
car ces derniers temps, nous remarquons qu'il y a la délinquance juvénile. On a quelqu'un en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Guagua, Johnson Keto, la sagesse africaine. En tout cas, il y a CPN. Bonjour. La zone CPN a émission aux autres sports. Et Ngaraza, qui est 5 fois champion du Zaïre dans le cyclisme, Mosengo Kimpale, et Naza aussi. Cycliste, champion du monde, champion du Zaïre et cyclisme. Il y a cyclisme, Mosengo Kimpale, pour Batoué Bingaming et la Kumba Papa Steve, l'ancien du Sion, du Saint d'Israël. Il y a Ngona Bengi pour la remercier et puis pour supporter. Pour féliciter pour l'émission, pour te bien te dans beaucoup d'abisso, nous avons un talent et belé. Et monsieur c'est déjà couto, si batika sport mais basan la connaissance tout cas na bango. Mais peut-être à partir de l'émission nayo et bah voyez sous qu'on s'approcher na jeune, qu'on encadrer bango et puis qu'on la bango na ba la bala, na délinquance, qu'on accepte bango de la sport. Oui, c'est que quoi comme ma bango na quoi orienter bango na vie malam. Et en tout cas ngai na sepele mingi na komisi sur Nzambe bien sûr na za musika mais peut-être un jour na voyati na plateau comme ça tout sur la paix tout développer mais en attendant ma prière est que Nzambe abatela yo apambola yo et puis a élevé yo au nom de Jésus. Yo, comme il y a un bon champion, il y a un plateau lobby na yini. Ben, papa Steve, champion Abisso, Azalea à Ted, il encadre le jeune. Je disais, il encadre le jeune. Maman, papa, Ozana Mwana, Azana ba qualité et belé. Ce qui a coupé classe, sport, on peut récupérer. Ensemble avec la Naba classe, là. Avec pour combiner en gros. Et que l'ongolé dans Balabala. Et que l'ongolé dans Balabala, ma bé haute, c'est-à-dire que mon. Je laisse la vision de que en gros délinquance juvénile basalico bomana basalico salini Ted l'a bien expliqué. Ce qui sport est à la vite, ce qui boxe est à la rate, peut-être qu'un gars s'est retrouvé dans la prison na banine ba mi ba banine ko linga ba me mena nzela ni mais ce qu'a outil entraînement boxe et les déjà énergie nyonso à boukane lobby de se reprendre entraînement na. Donc nous vous invitons la jeunesse le jeune, nous vous invitons à joindre ces clubs, le club de notre frère, c'est un Congolais, à Olubani na Lingaya, à Robert Tissouba Kouba, il perd. On a battu Bazan à Londres, au Bazan à Londres, tu es ailleurs, pour rejoindre le club aux Apemé Nabino, champion Bima partout, sur Ozana, nous avons battu Libokonaï, à ta Ozana poubelle au Bima champion. Juste pour le Mwananda, il y a revendu la télévision, il y a un bouquet, il y a un bête à la jeune Abino, il y a un pays moroté, qu'il y a un club, il y a sport Nyonso, objectif Nabiso Yangwana. Vraiment, la régie me fait signe que aujourd'hui, l'émission n'aura qu'une heure. Ah, régie, à cause de la droite, régie. Voilà, droite, il y a champion d'Europe. Hein? Non, l'autre champion du monde, tout est comme moi. Ted, c'est vraiment un plaisir de t'avoir dans cette émission. Je crois qu'il y a, le français dit, il n'y a jamais un sans deux. Aux Amananda, aux hommes et la vie, pour l'accès à plus de techniques, au l'accès à et au Niso Salamana Club. Moi, je t'ai dit merci d'avoir répondu à notre invitation. Et ceux qui veulent suivre cette émission, l'émission sera relayée sur notre site, le www.topafricamagazine.net, un site responsable pour les responsables. J'ai dit aussi merci à mon aîné. Il a toujours un mot à dire avant que je puisse mettre un point final. L'aîné, Alain Franck. Moselo CC. Ah, ils ont Moselo CC, il y a vis-à-vis. Ah, ils ont Moselo CC à sport. No, just want to invite everybody, mostly the youngsters in this country, all over the world, not to sit watching TV, move, make the move. Go to the gym, train. We would like to have champion in Congo. This is the basic of this TV program. Donc, nous faisons appel à toute la jeunesse congolaise à travers le monde de ne pas s'asseoir devant la télé, regarder les images des jeux qui nous amène nulle part, de faire le mouvement vers les salles d'entraînement pour en faire des champions. Nous voulons des champions. C'est un plaisir pour nous d'être là, de vous présenter notre champion en chair et en os, Ted Bami. Merci pour le temps passé devant l'écran. Je vais terminer pour vous dire que le 11 mars, nous aurons comme invité les anciens Léopards. Adélard Mayanga Goudi, il sera là.
Kibongi, c'est Kibongi. Les noms de famille, Gento, c'est moi. Le Seigneur. Gento, Seigneur. Kibongi. Il sera là. Et plus tard, nous aurons Kidumu, Kakoko, le dieu des ballons. Ils ont fait les beaux temps. Ils ont fait les beaux temps au pays. J'ai dit quoi? J'ai dit merci d'avoir été fidèle à cette émission qui a été présentée par votre humble serviteur et co-présentée par Alain Franck, Monzelo CC, Kouloutou Yabato, Namande, Moustache Apembe. Sur ce, j'ai dit merci de votre fidélité. Soyez branchés. On se retrouve les samedis avec l'émission Saïs africaine de 12h à 13h. Que dire encore? Merci Ted d'avoir répondu à notre invitation. Merci Alain Franck Mosé de CC. Et moi, je suis devenu champion Yagoloba. Champion du monde Yagoloba. Baba, manga côté là. Je vous dis, bye bye. Le mercredi prochain, même heure, 15h, sur Olive TV. Olive Mobile, le sponsor de l'émission. Merci. Ciao, ciao. So hopefully as the fight progresses, it's potentially 12 rounds, so we'll see. Hopefully he might come out of his shell now and start to work a bit better. Hammy's not been 12 rounds before. Do you think that's in the back of his mind, perhaps? It possibly could be. I mean, neither fighter's been 12 rounds, so it does play on your mind a little bit, but I'm sure they've done the preparation, they're fit well, they can go to 12 rounds. Hammy looks like the puncher in this fight. He does, he's heavy-handed, he's got all the shots, he's got the repertoire, he's got all the combinations, just want to see him work a bit harder. Thank you. Bammy actually never been beyond six rounds, so we watch with interest. Remember the vacant WBF light welterweight title at stake. Buzzing division. Ricky Hatton defending his WBU title in special fashion, really, against Vince Phillips last week. A terrific performance from Hatton Jr. Witter. Of course, we wait and see whether that fight will be made. Ted Bammy probably ranked about 8 in the country and having his hardest task to date. Laszlo Hercek has come here to whinge him. Yeah, but Bammy's having trouble pinning him down. The good news is he's not wasting a lot of punches, he's not burning up the energy for no reason, he's keeping calm. I think he feels the more rounds behind him, the more rounds he gets behind him, the better this is going to be, and the more that the fight will suit him. But this fella's very awkward. Up close, he's nullifying Bammy's work. The big danger is Bammy becomes frustrated. Got through with body shots, really, in the first three rounds, Hercek. But Bammy starting to feel a bit more comfortable, growing in confidence. Confidence a big thing with Ted Bammy, because he's had some hard matches in his short professional career. It's only fight number 14, and he's already been in with Francis Barrett, who he beat, Bradley Price. Last time out, he knocked out Andre Debiatekin in this very ring in a round. It's not been easy for him. Olive Mobile. Get ready for cheap international calls to Africa, Asia, Europe, and USA. Just dial internationally direct from your Olive Mobile